Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, petite vidéo, présentation d'achat récent. Donc euh, bah après cette dernière vidéo, je vous ai faite un hein, vidéo présentation de la collection, la numéro 5. Je pense que je vais continuer sur ma lancée, mais je vais couper entre les deux par une vidéo euh, achat, je pense, à chaque fois, pour euh, me permettre de ranger mes films hein, dans justement cette collection. Donc on va commencer tout de suite, pas perdre de temps, donc avec un, la présentation de ce steelbook de Joker 4K. Euh, donc c'est l'édition Amazon, l'édition euh, la plus répandue, on va dire, internationale, voire mondiale. Euh, il existe une autre édition euh, FNAC, hein, où il y a la BO, donc ça c'est le petit plus. Après visuellement, chacun euh, voit midi à sa porte, hein, on a tous des goûts euh, différents, bien heureusement. Donc bon, le but, c'est de ne pas essayer de, de dire qu'on a des meilleurs goûts que l'autre. Et ça, c'est déjà une bonne avancée hein, dans, notre, dans notre communauté si les gens arrêtaient de dire qu'ils détenaient la vérité ultime. Donc euh, bah, moi, j'aime bien celui-ci. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire pour, pour ce style book, pour ce film complètement incroyable, hein, réalisé par Todd Phillips. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé, forcément. Il y en a qui... Qui ont un peu essayé de dévaloriser le film, euh, parce que bah, quand ça plaît, euh, bah, si on montre que ça ne plaît pas à soi, bah on se met un petit peu en avant, hein, on n'est pas comme les autres comme ça. Bon, moi, cette réflexion-là et cette façon de faire, je déteste. Donc, euh, moi, j'ai aimé, voilà, point barre. Euh, c'est un très très bon film, très bonne prestation. Euh, Joaquin Phoenix a eu l'Oscar du meilleur acteur, donc euh, c'est pas pour rien. Voilà, on va passer, je ne vais pas vous le présenter davantage, vu qu'il a été présenté mille fois. Ensuite. L'équipe de Philippe Lachaud avec ce babysitting, euh, donc c'est assez. Euh, j bah je me suis fait l'intégral des films de Philippe Lachaud. Hein. Finalement, il n'y a pas grand-chose, il y en a 5, je crois. Ouais, c'est ça. Donc euh, ça va assez vite, c'est ça qui est cool. Et puis ça reste dans le cinéma français quelque chose de. Un, un, un vent d'air frais, on va dire. Donc bah là en gros euh, Monsieur Philippe Lachaud va devoir garder euh, le fils de son patron. Le fils de son patron euh, s'appelle Rémi et c'est vraiment un sale gosse euh, capricieux. Euh, et euh, il va leur arriver plein d'aventures parce que le soir où il doit garder le gamin, bah c'est aussi ses 30 ans. Donc en gros ils vont disparaître tous les deux, la police va retrouver euh, la, la vidéo de ce qui s'est passé et vont devoir retracer un peu tout ça pour les retrouver. Ensuite, bah, quand il y a le 1, il y a le 2, donc là c'est un peu la même histoire sauf que c'est plus avec un gamin, cette fois c'est avec une personne plus âgée, alors je sais plus, euh, quelqu'un quelqu de sa famille euh, qui va perdre, vont se perdre aussi tous les deux, vont disparaître tous les deux et on va retrouver la vidéo de ce qui s'est passé, voilà. ça reste dans le même esprit. Ensuite, épouse-moi mon pote donc là il partage euh, l'affiche encore une fois euh, avec euh, Tarek Boudali. Donc en gros lui euh, Tarek est un est un mec sans papier hein, il vient de son visa a expiré donc il est en situation irrégulière en France et euh, Philippe Lachaud, euh, euh, ils vont décider de se marier pour pour sauver en fait euh, son son comment dire le fait qu'il puisse rester en France. Euh, seulement, il y a l'inspection qui va s'en mêler et qui va vouloir voir s'il ne s'agit pas d'un mariage blanc. Donc, euh, pareil, film que j'avais vu en démat, bien rigolo. Bon, on est vraiment dans la caricature aussi euh, du milieu homosexuel et forcément ça n'a pas plu à certaines personnes. Après, malheureusement, ce genre de film, il y en a beaucoup, la cage aux folles, etc. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance des fois à folkloriser tout ça. Mais après, voilà, c'est une comédie, il faut le remettre dans son contexte. Ce n'est qu'une comédie. Très drôle d'ailleurs. Ensuite, Nicky Larson, donc l'adaptation du célèbre dessin animé. Alors ça pouvait faire peur à beaucoup de gens. Hein. Euh, c'est clair, il y a Didier Bourdon dedans. Donc Didier Bourdon, ces derniers temps, c'est pas ça. Mais franchement, c'est une très bonne surprise. C'est très très bien fait. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais franchement, euh, ça, va. ça va. Ça va, ça va, ça va. Ensuite, y avait un duo de ouf avec euh, Eddie Murphy et Martin Lawrence. Donc euh, deux mecs que tout oppose qui vont se retrouver au cœur. Euh, d'un gros problème euh, comment dire, criminel et euh, ils vont se prendre tous les deux perpète donc voilà, d'où le titre on va pas chercher bien loin ah, ce film je l'aime beaucoup avec Jack Nicholson et Adam Sandler, Adam Sandler est un mec euh, à la base très calme mais pour une raison dont je ne me souviens plus, va s'énerver à bord d'un avion je ne sais quoi, et il va avoir obligation en gros de se soigner de, de soigner son agressivité Jack Nicholson, c'est le psychiatre, psychologue qui va, qui va s'occuper de lui, Il va décider de le prendre vraiment sous son aile et l'inviter chez lui pour essayer de, de résoudre ses problèmes d'agressivité. Et finalement, les choses ne vont faire qu'empirer. Très très bonne comédie avec un duo complètement dingue. Alors, Sidney Pollack et Robert Redford ont, ont participé, enfin ont, ont, ont contribué à plusieurs films. Euh, euh, enfin, comment dire Je ne trouve pas mes mots ont été ensemble dans plusieurs films donc Robert Redford euh, en tant que forcément acteur donc là euh, ce Out of Africa a remporté euh, cet Oscar dans celui du meilleur film hein. il partage affiche avec Meryl Streep donc une romance euh, au Kenya euh, belle histoire d'amour, hein. attention il ne faut pas s'attendre à un film d'action, hein, mais, euh, mais très très bon film. Et je vous parlais de collaboration, voilà le terme, euh, je l'ai enfin. <laughs> euh, C'est euh, notamment aussi avec ce film Le Cavalier électrique, hein, où là cette fois il partage l'affiche avec Jen Fonda. Euh, donc j'ai vu la bande-annonce de ce film et ça m'a donné vraiment très très envie de le posséder et de le voir. Donc en gros c'est un mec un petit peu sur le déclin, ancienne star du rodéo je crois, euh, et euh, le cavalier électrique parce qu'il est orné euh, de mille lumières hein, pour vendre des produits, euh, voilà, une marque de céréales, et il va se rendre compte que son euh, étalon a été, euh, qui vaut des millions de dollars, un hein, pur-sang, a été drogué, il va décider de en fait de rendre la liberté euh, à son cheval, et euh, tout le monde va s'en mêler un petit peu. Euh, Jen Fonda je crois que c'est une journaliste et elle va trouver euh, l'histoire intéressante et va décider de suivre cette épopée ensuite film des Eli Ross, donc euh, knock knock donc avec Ken alors euh, quand deux jolies filles un petit peu euh, dénudées physiquement intelligentes vont viennent sonner chez vous parce qu'elles ont pris la pluie et qu'elles ont un problème de voiture je ne sais plus quoi et qu'elles demandent à pouvoir rentrer chez vous. Et que votre femme est partie et que ça ne se passe pas super bien avec votre femme, ben vous leur ouvrez. Donc au début, gros jeu de séduction, mais ça ne va pas rester comme ça. Voilà. Je ne spoil pas le film, mais c'est vraiment sympa. Sans révolutionner le genre, sans être un film de dingue. C'est un bon divertissement. Avec des scènes forcément dorides. Merci Blue Cats Merci Blue Cats pour ce Austin Powers. Euh, J'ai le coffret avec les trois DVD donc, euh, que je vais garder parce que pour l'instant Goldmember, je ne l'ai pas trouvé en Blu-ray. Donc très content de rentrer ce film, hein, Austin Powers, euh, l'agent britannique euh, So Groovy. Euh, excellent film. Donc dans le premier, il partage affiche avec Elizabeth Hurley. Hein, toujours le docteur d'enfer, l'ennemi juré d'Austin Powers. Et quand il y en a un... Il y en a un autre, et là je dis merci à Amazon pour celui-là. <laughs> donc là il partage l'affiche essentiellement avec Heather Graham. Euh, très très bon en fait, ils oscillent euh, généralement dans, les, dans ces films entre les années 70 et l'époque contemporaine auquel ils ont été tournés, donc c'est en 97-98. Et c'est vraiment euh, génial. Donc euh, Mike Myers, hein, euh, qui joue également forcément dans Wayne Sword, hein, dont je vous ai parlé euh, très très récemment, euh, s'en tire vraiment très très bien dans ce type de rôle. Hein. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on l'ait vu dans d'autres registres, hein, Mike Myers. C'est vraiment les comédies, voilà, so British. Ensuite, un film qui a défrayé la chronique dans le sens où tout le monde a craché dessus Killing Gunther. Donc, bon, moi, Arnold Schwarzenegger est un de mes acteurs favoris. Euh, donc, il n'était pas question que je ne le possède pas à un moment ou à un autre. J'ai attendu vraiment une baisse de prix et je l'ai trouvé d'occasion à 3 ou 4 euros. Donc, je l'ai pris. Donc, premier film de Taran Killiam. Donc, en gros, Arnold Schwarzenegger est un tueur sans pitié, le meilleur de sa profession. Et les autres, en fait, vont essayer de le supprimer euh, pour, pour passer à la postérité et être les plus célèbres, finalement. Mais Arnold n'a pas dit son dernier mot. Alors ce qui a été euh, reproché en gros, c'est que, bon, il n'est pas énormément dans le film, hein, c'est pas c'est pas l'acteur principal, enfin si, mais euh, en fait il fait beaucoup d'apparitions, mais euh, courtes et c'est pas, voilà. Et ensuite, euh, bah, le registre comique d'Arnold, euh, les gens ont un peu oublié qu'à la base, enfin euh, pas à la base, non, pas à la base, j'ai des bêtises, mais je veux dire, il a fait beaucoup de comédies, il a fait euh, Junior, Jumeaux, Un flic à la maternelle, enfin voilà, même des films où c'est pas vraiment des comédies, mais True Lies, etc., donc, euh, bah, il y, y a certaines personnes qui aiment pas. Ils veulent voir que euh, Carnold, euh, le muscle saillant avec euh, une épée de d'un mètre cinquante ou bien euh, avec une, une M16 ou une M60, au mieux. Donc, euh, bah, voilà, je me ferai mon avis, euh, je le regarderai bientôt et puis on, on verra ce que ça donne si ça, si ça méritait euh, autant de flots négatifs. Un film que j'aime beaucoup, euh, c'est Tootsie avec euh, l'excellent Dustin Hoffman et il y a Jessica Lange. Donc bon, c'est un peu, un peu le pitch euh, Madame Doddfire en gros un homme pour pas perdre sa profession, pour pas perdre la face, etc. Va se travestir en femme. Donc là bon, Tootsie c'était vraiment le précurseur, hein, c'était bien avant euh, Madame Doddfire, un film qui a été récompensé également. Et le dernier film de cette sélection, c'est pas le plus dingue parce que j'en connais pas grand chose. C'est euh, nos plus belles vacances. Euh, film français avec euh, Gérard Darmon, Julie Gaillet, Philippe Lelouch. Euh, bah écoutez, euh, voilà, comédie française typique hein, avec une étude de comportement euh, sociologique euh, qui est toujours intéressante dans lequel des fois on peut se projeter. Donc là, c'est l'été 76, je crois, l'été de la canicule. Enfin voilà, je je vais pas en dire davantage parce que je n'en sais pas davantage. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une vidéo présentation collection, la numéro 6, avec du très très lourd, très très lourd. Allez, ciao, à bientôt. Sachez qu'aucun homme n'a été dans cette vidéo. Il n'y a que le respect qui est mort.